Bonjour et bienvenue pour notre nouvel épisode de la survie du week-end avec The Dark. Donc j'ai eu du mal tiens à faire cette intro. En tout cas, je vais parler vite fait en fait de ce qui se passe avec The Long Dark en ce moment. Donc comme une personne qui m'est très chère, hein, que j'apprécie énormément, je montrerai le clip, mon clip favori de Todd Howard. I read on the internet that our games have had a few bugs. I did. I read it on the internet, so it's true. And that sometimes it doesn't just work. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que il y a des problèmes avec cette mise à jour. On va attendre que le temps s'améliore. Il y a des problèmes avec la mise à jour. Et j'ai un peu traîné en fait sur les forums de Steam et tout ça et de leur site. Donc des gens ont rapporté en fait beaucoup de problèmes, évidemment. Et il y a une mise à jour de 800 MO apparemment qui vient de sortir. On a déjà 4 heures de jeu et j'ai vraiment pas envie de relancer une survie par contre. Et apparemment donc en intrus on n'a toujours pas genre le couteau, la hachette, le revolver, le fusil, les trucs comme ça. Mais bien sûr avec cette mise à jour il y a eu un bug parce qu'ils ont refait toute la table des drops en fait, des apparitions des objets et tout ça et les pourcentages et tout. Donc ils ont dû merder hein, comme d'habitude, je le dis à chaque fois. Et du coup on se retrouve avec un couteau et on devrait pas. Donc beaucoup de gens ont rapporté le fait qu'ils aient trouvé un couteau, des boîtes de munitions de revolver, donc nous on les a. Ils ont même trouvé un revolver, ils ont trouvé le fusil et des munitions. Donc ouais, on a une sorte d'intrus, on va dire, il y a des rideaux là. Oh. On a une sorte d'intrus un peu buggé avec un couteau maintenant. Alors après, est-ce que, vu qu'on a eu la mise à jour depuis, enfin que j'ai faite juste avant de relancer le jeu, est-ce que aller dans d'autres endroits en fait va faire apparaître le fusil et tout? Je pense pas, je pense que les objets en fait sont générés au moment où vous allez dans la zone. Et peut-être que même les bâtiments sont coupés de la zone, c'est-à-dire qu'il faut aller même dans les bâtiments eux-mêmes pour pouvoir générer les objets, vous voyez ce que je veux dire? Donc en théorie on devrait pas trop avoir de choses un peu extra, j'ai envie de dire. Après on pourrait faire en sorte de pas utiliser le couteau et tout ça, mais je vais être honnête, c'est pas la première fois qu'on joue en... Je pense qu'on va pouvoir partir. C'est pas la première fois qu'on joue en intrus, donc c'est pas vraiment très grave. Ça nous fait juste un peu avancer plus vite et c'est à peu près tout, tout simplement. Donc ouais. Et surtout qu'on a... On va sortir. On va revenir à la ville principale. On est à quoi? On est à 29 kilos. Oui, on va revenir à la ville principale et on va continuer un peu notre tour du propriétaire et essayer de récupérer le plus d'objets possible. Mais ouais, j'ai vraiment pas envie de recommencer parce qu'on a déjà à peu près 4 heures dedans. Recommencer des parties en intrus, c'est honnêtement très agaçant. C'est-à-dire que bah, il faut un peu de chance. Aussi, hein, il faut le reconnaître, hein, quand vous commencez en intrus, il faut un peu de chance. Il faut pouvoir trouver les objets pour survivre, c'est-à-dire des endroits... Hop. C'est moi où les capots ils se referment? Parce que... Bref. Il faut trouver un endroit où dormir, il faut trouver de quoi faire du feu et tout ça. Donc tout ça en fait, c'est des choses qui sont un peu extrêmement rares et aléatoires. En intrus, donc recommencer une partie, c'est un peu chiant. À chaque fois. Donc, j'ai vraiment pas envie. Donc, on va rester avec notre intrus étrange. On va l'appeler comme ça, l'intrus étrange. On a un peu froid. On pourrait descendre par là-bas, je sais, mais... Okay, là. Je pense, comme j'ai dit, on va revenir vers... revenir vers le centre de Milton. On va pouvoir sprinter parce qu'on est quasiment midi et on est bien reposé. Donc on va en profiter. Puis on a froid aussi. Très bien. Donc ouais, c'est très embêtant. Je savais au fond de moi qu'il fallait pas se lancer dans la...
dans la partie aussi rapidement, il fallait attendre au moins quelques jours avant que, avant de se lancer pour voir s'ils allaient pas faire des fixes, des hotfix comme ils disent. Et oui, au final ils l'ont fait. Mais bon, j'avais envie de sortir des épisodes et d'avoir des épisodes aussi en avance pour les membres. C'est surtout ça en fait. Donc bah du coup c'est comme ça. C'est comme ça. On peut pas faire autrement. Par contre le froid m'agace un peu. Où ça? Ah, à gauche. Ouais, il y en a deux. Ok. On peut tomber sur une porte ouverte là et pas condamné. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se réchauffer un tout petit peu et on va aller vers la station essence. Oh, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu. Ah, il y a des trucs. Ah, mais je suis pas allé là. Ah non. Il y a des endroits que j'ai loupés. Ah, ça commence quoi. Ça commence, je fais pas assez attention apparemment. 1 heure pour 4, non merci. Par contre, il n'y a pas des rideaux, des trucs comme ça ici. Non, c'est pas le cas. Oh, une écharpe. Cool. Oh, il y a quoi dedans? Ah, une trousse, ok. Ok, très bien. Parce que je vais être honnête, on a un très très bon départ là. On a eu un très très bon départ. Mais je pense que l'objet, le seul objet extra qu'on ait, c'est le couteau. Tout le reste... Non, tout le reste on le trouve, il n'y a pas de problème. Mais ouais, on devrait tout simplement pas avoir le couteau. C'est pas trop trop grave. Très bien. Je sais plus comment ça fonctionne. Donc ça, cette partie-là, c'est l'extérieur et ça, c'est l'intérieur, je crois. Je crois que c'est comme ça. Et l'autre, ça, c'est l'inverse. Ça, c'est l'extérieur et ça, c'est l'intérieur. Non, quoique non, c'est pas l'inverse, pardon. Ah, on avait deux casquettes. Ok, j'ai pas vu. On est un peu lourd, mais c'est pas trop grave. On va se débrouiller. Je voudrais bien passer du temps pour se réchauffer, mais... Ah, si. On peut faire ça. Genre 30 minutes. Voilà, au moins pour enlever l'hypothermie et tout. Voilà, très bien. C'est parti. On va aller station service. Non mais ok, d'accord, les capots se referment, non, 100% les capots se referment. C'est pas moi qui suis complètement cinglé. Je sais que j'ai le cerveau instable et tout ça, mais là faut pas exagérer quand même. Non, les capots se referment, je crois que c'est quand on sort de l'endroit et qu'on re-rentre, en fait. Ça souffle d'où là? De là? Par contre, le problème, c'est que les loups ont bougé, du coup, en plein Milton. Et je crois qu'il n'y a plus personne ici. Ouais, il n'y a plus personne ici. Enfin, j'espère. Alors, normalement, on a le biche, très bien. Voilà, parfait. Après, Milton a toujours été un endroit où on peut trouver beaucoup de choses, hein, même en interlopeur. Interlopeur, c'est en anglais. Vu que je suis resté beaucoup sur les forums de Steam, je parlais du mode intrus. Oh. Donc, du coup, c'est interlopeur. Oh, lucky day. Lucky day. Et un truc aussi qui est bien, une chose qui est bien, si jamais vous commencez votre run et tout ça,
c'est que donc il y a énormément de magasins, enfin non, il y a quelques magasins, genre comme la station-service et tout ça, dans Hamilton. Et il y a beaucoup de maisons, vous allez trouver souvent des, donc des conserves. Mais si vous y allez... Si vous y allez tard dans votre run, bah du coup, toutes les conserves vont sûrement être à zéro. À 0%. C'est souvent, ça nous est arrivé extrêmement souvent, ça. Pour nos runs, parce qu'on allait à Hamilton assez tardivement. Et du coup, bah, on s'en sortait avec bah, pas grand-chose à utiliser, quoi. J'avoue. Mais là, du coup, là, c'est le début. Donc, toutes les conserves, en fait, sont en très bon état. Ouais, elles sont toujours en très bon état. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment bien. Et une chose qui m'inquiète maintenant, c'est pour l'ouvre-boîte. Hein. J'arrête pas d'en parler, mais le fait de toujours pas avoir trouvé d'ouvre-boîte. Je me demande si c'est pas lié au problème des objets, des apparitions d'objets, en fait. Donc, bon. On va peut-être devoir se débrouiller sans. Peut-être. J'ai envie de dire, c'est pas grave, on a vu pire. On a vu pire. Ça, allez. Là, on va être très lourd. On va être très lourd. Mais ce n'est pas grave. Le côté dangereux, ça va être de retourner à la maison principale. Ce qu'on peut faire, vu qu'on n'est pas très loin, ça serait d'aller à l'endroit où il y a l'escalade. Il y a des petits bâtiments. On peut fouiller. Ça serait bien. Journal roulé. Vous voyez, ça s'affiche pas, donc c'est un peu étrange. Journal roulé, non, c'est pas... c'est pas un objet rare ou quoi que ce soit. Donc du coup, en fait, non, ça a rien à voir. Je pensais que les objets qui sont pas censés être en intrus... Du coup, ne s'affiche pas, mais bon, bah, cette théorie est fausse. On va sortir par l'arrière, par contre. Je vais juste regarder mon inventaire. Ouais, non, non, cette théorie est fausse. Non, non, c'est pas... C'est juste que, bah, ça s'affiche pas de temps en temps. Voilà, point barre. Et le problème, c'est que je sais même pas si ça a été fixé, en fait. Gibier cuivré. Putain, ça, c'est bien, quoi. Il est tout neuf. Je sais même pas s'ils ont corrigé, en fait, le problème avec le couteau et tout ça. S'il faut, ils l'ont toujours pas corrigé, donc du coup... Bah, en fait, on sait pas quand est-ce qu'ils vont corriger tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de relancer, parce que j'ai même pas la confirmation que ça a été fixé. On est à 38 kilos, c'est beaucoup, hein, 38 kilos quand même. Le problème, c'est avec toute l'eau là que je récupère. J'avoue que c'est un peu beaucoup. Je sais qu'on a beaucoup de bois. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est déposer du bois ici. Déposer du bois ici. Le reste, j'ai pas vraiment envie de le déposer. Ah, vous vous rappellerez qu'on a laissé des objets ici. Je vais pas y penser. Ça, tu viens avec moi. Ça là. 34. Qui c'est qui pèse le plus lourd là? Ah, c'est lourd en fait. Ça, 9. Pour qu'on puisse avancer en fait. Simplement. Parce que là. Ok, très bien. Ça, on va le déposer, mais à l'extérieur. La viande, tout ce qui est viande, on le met à l'extérieur. Comme ça, ça met du temps à se détériorer.
Oh, il faut qu'on retourne à la... comment ça s'appelle ? À l'église aussi. Faut qu'on voit le message, là, ce qu'il voulait dire, le message. Apparemment, derrière l'orgue, il y aurait une cache. Alors, est-ce que ces caches, on peut les trouver, genre, normalement, juste en fouillant ? Ou alors, il faut trouver... Ah, ça, c'est bien, c'est bien. Ou alors, est-ce qu'il faut trouver d'abord les papiers qui nous disent qu'il y a une cache, et après, on a accès à la cache. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère qu'il faut trouver les papiers, honnêtement. Ça serait plus logique. Un peu plus embêtant, dans un sens, mais bon, ça serait plus logique. Pourquoi il y a des poules, là ? Il y a un cadavre ? Ah oui. Je sais plus s'il y avait un cadavre ici. Oh, un lit. Dis-moi, il est... C'est... Oh, il a 89%. Parfait. Très très bien. Ça. Ici, il fait toujours chaud. Ici, c'est un très 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 bon endroit pour faire une escale. Là-bas, on a la corde, on la voit. Donc ça, c'est très bien. Et c'est d'ici qu'on peut partir ou venir. Et je crois qu'on va... Bah attendez, on peut tout simplement regarder. Milton, la voie ferrée. Je crois que le côté où il y a la corde, ça va directement au lac Mystère. Ou peut-être à Muskegmorn, je crois. Lac Mystère ou Muskegmorn. Je crois que c'est Muskegmorn. Je crois qu'on arrive comme ça. Et après, on peut aller directement sur la droite. Pour aller au lac Mystère. Le lac Mystère, on va y aller. Hein, parce que le lac Mystère, c'est vraiment un endroit très 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 cool. Très très simple. Pour chasser, survivre. Alors, un souvenir contenant un message de survie. Alors, Lexi a mis du nouveau matos dans le boîtier numéro 4. Ça pourrait s'avérer utile. C'est où, ça? Boîtier numéro 4. C'est... J'arrive pas à distinguer, en fait, d'où c'est. Genre, là, on a l'église. Là, on a Milton. Attendez, non, Milton, ça doit être plus là. Ça serait quoi, dans la montagne? Ah, il va falloir commencer à dessiner la map, parce que là... Là, je suis pas sûr, en fait. Le boîtier numéro 4? Qu'est-ce que c'est, le boîtier numéro 4? Un casier? Peut-être? Est-ce que je peux dessiner d'ici? Yes. Wow! Ça va. Ah non, c'est vachement... C'est là. Donc ça, c'est le parc. Je crois qu'ils ont augmenté la zone. Ou alors c'est parce que c'est très très dégagé. Je crois que là, c'est Milton. Donc ça serait sur la droite. Réserve de souvenirs. Casier 4. Donc, je... pas certain de savoir où c'est. Donc, Oh, on a une fusée de détresse. Je crois que... Non, ça, les fusées de détresse, on peut les trouver, ça, en un truc. Ça va changer. C'est super beau. C'est ultra beau, c'est cool. Le problème, c'est qu'il fait froid. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. Ouais, donc ça, c'est le contrebas avec le lac gelé et tout ça. C'est pas trop difficile. Je sais qu'il y a des bâtiments sur le côté droit, quand on regarde comme ça. Mais c'est des bâtiments ouverts, si je me rappelle bien. Donc, il faut... Oh, 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 il y a des bois. Donc, il faut... Faut pouvoir faire du feu et rester à l'air libre, en fait. Donc ça, c'est un peu le problème. Ah, on n'a plus le bruit. Ah si, 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 on l'entend. Très très léger, hein, le bruit du scier. Très très extrêmement léger.
gagner toujours. Ok, on a les lapins ici. Voir si on peut pas en récupérer quelques-uns. Très bien, ne regardez pas. Il dort, vous inquiétez pas. Oups, pas. Il dort. Lui aussi, il est fatigué, faut qu'il dorme. Et merde. il a de la chance. Je veux pas rester trop à l'extérieur non plus. Il est où ? Merde. Je sens que je vais pas l'avoir. Très bien. Oh, on a chaud quand on est protégé du vent, on a chaud. Yes, très bien. C'est cool ça. Vraiment, vraiment cool. Par contre, on est extrêmement lourd. On va avoir un problème. Ah, les bruits avec le métal qui se tord et tout ça. Je vais toujours. Attends, on l'a pas ouvert cette porte? On l'a pas déjà forcé en sortant? Ou je suis fou? On l'a forcé en sortant, pourquoi on devrait la forcer en rentrant? Ouais, bon. Ok, donc on a ça. Très bien. On est déjà à 37 kilos, c'est beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'à la limite, on peut rester là et préparer... Ouais, non, mais je voudrais bien faire du feu en même temps que préparer les choses. Je pense qu'on va devoir garder les lapins maintenant sur nous. Ça sèche. Aïe aïe aïe, c'est vraiment lourd, c'est un problème. Alors déjà je vais aller vérifier les voitures devant le devant la station. Okay. Parce que le problème c'est que si on commence à rentrer avec de la barbac en plein milieu de Milton, on va avoir les loups qui vont être sur nos talons. Ça va être un peu un problème. Ah non, attends. On va regarder ça. Okay. Très bien. On a chaud ici. Yes, on a chaud. Je fais un peu de dessin. Voilà, nickel. Très bien. Ah oui, là-bas, on a le... Je crois que c'est un camion pénitencier. C'est crashé. On va aller sur la route. On marche plus vite sur la route. On commence à être fatigué, il commence un peu à faire chaud. Pardon. Pas à faire chaud, mais le jour commence à arriver à sa fin. Donc ça tombe bien. Je pense que quand on va rentrer, je vais faire du feu.
peut-être faire beaucoup d'eau d'un coup, parce qu'on a beaucoup de faitout, ça c'est bien. Et pendant que l'eau cuit, en fait, on va... Parce qu'on a beaucoup de bois aussi. Et pendant que l'eau cuit, on va préparer les lapins. Et comme ça, on aura déjà des pots qui sèchent, des boyaux qui sèchent, etc., etc. Donc c'est... Pour le moment, c'est ce que je veux faire. Ça, c'est un camion qui allait à Blackrock, et du coup, je crois qu'on peut trouver une arme, vu que c'est de la prison. Sauf que pour nous, non. En théorie, non. Je voudrais trouver différents bois aussi, pour pouvoir faire des flèches et tout ça. On est déjà les bois pour qui sèchent, en fait. On retourne à la station service. Je vais faire mon tri pour voir ce qu'on prend. Et après on rentre. Voilà, ça se passe bien. Milton est cool. J'ai bien tout pris, hein. J'ai pas laissé chose qui traîne. Je ne sais pas. Très bien. Je pense que déjà, rien que l'eau, on va tout laisser, honnêtement. Parce que l'eau, on en a déjà plein et on va en faire. Pourquoi on va en faire? Parce que l'eau, il faut toujours en faire. C'est un peu bon. Ça. Le bois, je crois qu'on va le laisser. Ça, par contre, on va le prendre. On va le laisser là. Alors, on est à combien? On est à 39 kilos. On est à 39 kilos. Ça fait un peu chaud, j'avoue. Si on regarde donc la carte ici, je vois pas où c'est ici en fait. Je sais qu'il y a une route, je vois pas vraiment. Oh, attendez, peut-être que c'est le passage comme ça là. Oh. Je pense que là il y a le pont en fait, le pont où des fois il y a un ours qui traîne. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Bon, on va rentrer avec tout ça. J'avoue que ça fait lourd. J'avoue que ça fait un peu lourd. Déposer 10. Allez, c'est parti. Ok, maintenant, silence radio. On doit se concentrer. J'ai envie de passer par là. Pour avoir un peu de hauteur et voir si on peut distinguer les loups, peut-être essayer d'avoir un plan. Je ferais bien du dessin, mais... Ah, on peut. On a deux loups.
Si, 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 on les voit, on les distingue. On a deux loups. J'en vois un et j'en ai vu un autre tout à l'heure. Ok, ça va être un peu chaud de se déplacer, honnêtement. Ah, il est là, l'autre. Oh mon dieu. Non, c'est un loup, ça, en plein devant, là, en plein milieu? Non, c'est une rambarde, en fait. Le loup, il arrive vers nous. Non, si, c'est bien un loup, si. Il a l'air de nous avoir flairé, lui, par contre. Il trottine. Ouais, lui, il a... Ouais, lui nous a flairé, lui. Ok. Alors, si ils sont là, on va le côté... On va sur le côté gauche. Lui. On va aller sur le côté gauche. Alors, je vais être honnête, j'ai bien envie... Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ils ont l'air très proches, mais ils sont pas. Ça n'a pas changé. Il a l'air extrêmement proche, mais il ne l'est pas vraiment. Faut juste pas se bloquer nulle part et faut pas être en montée. Sinon on va perdre du temps à se déplacer. On a les deux loups derrière nous, donc on est nickel. Normalement on est bon. Sur la route on marche plus vite. Sprint un peu sur la neige. On attend d'avoir de l'endurance pour monter la pente et rentrer. Go! Fred. Voilà, très très bien. Ah, j'avais laissé déjà du lapin dehors, j'avais complètement oublié. Yes! Nickel. Nickel, nickel. Ok. Là, c'est du bon, ça c'est du bon. Ouh! Là, c'est du très bon. Ça, il faut le faire sécher. Je suis un peu... un peu attristé par le fait qu'on n'ait pas exactement les bois que je veux. Ce n'est pas grave. Alors là, il me faut ça. Hop. Nickel. Elle est fatiguée, ça c'est un peu embêtant. La lampe, on n'en a pas besoin. Les livres non plus. Le sac de couchage, on va le garder. Ça peut être toujours intéressant de l'avoir sur nous. Après, on a de la nourriture. Très bien. Le thé, on va le déposer. Enfin, quoique, le thé, on peut le prendre. C'est pas beaucoup. Et après, on a du café. Donc voilà, 5 et 5, c'est très bien. C'est ce que je gardais à chaque fois. On en a déjà, en fait. Bah tiens, on va poser celui-là. Ok, très bien. Pour les vêtements, ça. Ça. Alors, j'ai deux bonnets. Moi, je préfère avoir un bonnet et une écharpe parce que c'est plus stylé, en fait, quand on regarde le personnage. Mais bon, après, c'est moins efficace, j'avoue. Journal. Et ben voilà, c'est très bien. Alors, dès quelle heure? On va faire du feu.
On va regarder les torches que j'ai. On va faire du feu. Et on va faire de l'eau. On va faire plein d'eau, comme j'ai dit. Et on va faire cuire des choses, je pense. Non, on risque de... Je pense qu'on va faire cuire des conserves. Je veux voir, en fait, de combien on perd... J'ai pas de tif, de petit bois. Non. J'ai pas de... Non, j'ai pas de petit bois. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que j'ai pas de... Oui, j'ai pas d'ouvre-boîte, donc je voudrais savoir de combien... Combien de calories je vais perdre en fait par conserve. Je crois que c'est assez violent. Ça va être embêtant, mais bon. Je vais essayer de pas trop en manger, mais je voudrais quand même en faire une ou deux. D'ouvrir une ou deux, juste pour voir en fait. Très bien. Hop, 2 litres. C'est très bien, 1 heure. Hop, et on peut mettre ça. Par contre, je vais juste déposer le bois de récupération. Le bois de récupération, c'est... Je sais plus ce qu'on peut faire exactement avec. Je sais qu'on peut faire des collets. On peut faire des collets. Je sais pas si on peut faire autre chose avec, je sais plus. Ah, j'ai pas d'eau. J'ai pas d'eau. On va faire ça. Cuire 13 minutes. 13 minutes. Maintenant, les lapins. Alors. On va le faire au couteau. De toute façon, si on n'avait pas le couteau, je l'aurais fait à la scie. C'est quelques minutes de plus. Donc ouais. C'est pas vraiment... ça va pas vraiment nous changer, en fait, notre survie. Ça. Ça. Parce qu'on a déjà une pierre pour aiguiser, donc on peut utiliser le couteau pour aller plus vite. J'ai pas envie de perdre les thés en fait. Même si honnêtement c'est pas très très grave. Et je les fais tous pour le moment. Normalement je garde les... je crois que c'est... genre les... les raichi et tout ça là. Genre préparés sont moins lourds. Et du coup, ça vous fait aussi moins de... Bah, c'est... Déjà, c'est moins lourd, en fait, de les garder comme ça. Mais surtout, c'est moins le bordel dans votre inventaire. Mais là, on va tous les préparer, simplement pour augmenter notre... simplement pour augmenter notre... comment ça s'appelle ? Notre cuisine. C'est ça qu'on veut. C'est surtout augmenter notre cuisine. Donc, tout ce qui est champignons, baies, tout ça, on va vraiment les préparer. Alors c'est comme ça qu'on va augmenter. On est à combien? C'est là. À la cuisine, on est presque au niveau 2 déjà. Donc voilà, on essaye de booster ça en fait au maximum. Même à la limite, les tisanes et tout, on pourrait les faire. Même si c'est un peu du gâchis quand même. On va les garder de côté. Diminue le boyau. Faut que je regarde le feu, faut pas qu'il s'éteigne. On va déposer les boyaux ici. Très bien. Il faudrait qu'on finisse les pots, honnêtement. Le feu.
chargeur, portable, bouille dans 42 minutes. Est-ce qu'on a d'autres choses à crafter? On en a d'autres. Compétence réparation augmentée à 77. Quoi? Réparation de quoi? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? 30 minutes? Ah, j'ai peur que ça nous brûle les thés. Je crois que quand ils ont fini de cuire, ça reste 30 minutes. Donc en théorie, on devrait être ok, mais je suis pas sûr. On va voir. Ouais, 30 minutes, donc ça va. Ah oui, ils ont aussi changé, c'est vrai qu'ils avaient changé ça, le coup du... que les objets, en fait, les choses vont maintenant brûler si on les laisse à côté d'un feu. Moi, je trouvais ça vraiment bête, et ça gâchait un peu le système où on pouvait laisser des choses et les chauffer, en fait, à côté des feux. Pas sur les feux, mais à côté. Je pense que ça y est toujours aussi. Parce que c'est pas directement sur le feu, donc en théorie ça devrait pas brûler dans ma tête, mais bon. C'est apparemment... on va prendre ça. Donc ça c'est 600 calories. Je vais voir. Donc là on est en train de la forcer avec le couteau, en théorie. Voilà, faut en réchauffer, pourquoi pas. Et ça c'est 300. Donc on a 600 et 300. De toute façon on va dormir dans pas longtemps. 600 et 300. Donc ça c'est prêt. Ça c'est prêt. Ok. Très bien, on va manger ça parce que c'est 1 kg, c'est lourd en fait pour 800 calories, c'est très lourd. Donc on va manger ça. Très bien. Je crois que le bruit des ébullitions, ils ont aussi changé ça. Pas certain. Ah oui, il faut pas que je boive trop parce qu'on va avoir de l'eau avec ça. Et dans 8 minutes, 9 minutes, ça marche. Le feu, 47 minutes. On va encore remettre du... Putain, je vois rien du tout. Je vois rien. Ok, très bien. On va le faire un peu plus durer aussi. Je sais pas combien de temps on peut rester... comme ça, en étant épuisé. Reposez-vous ou abandonnez une partie de votre équipement pour éliminer le risque d'entorse. Ouais. Non, ça c'est le risque d'entorse en fait. Je sais pas trop combien de temps on peut rester sans dormir. Ça c'est bon, donc 300. 600. On n'a pas perdu ? Ah, vous pensez que le couteau, ça fait comme si... comme si c'était pas forcé, en fait. Ah, oh, bah peut-être que j'ai oublié alors comment ça fonctionnait. D'accord. Bon, bah tant mieux. Bah tant mieux, notre couteau, ça va être notre ouvre-boîte, en fait. Surtout. Ah. J'étais persuadé... Je pensais que, en fait, forcé, c'est quand on n'a pas d'outil du tout. Mais un couteau peut faire office de d'ouvre-boîte alors. J'avais complètement oublié ce détail. Je suis sûr qu'on me l'a rappelé en commentaire. Mais bon, par contre, c'est ouais, la chose dangereuse, je crois que ça je m'en rappelle, c'est que si jamais... On devrait aller dormir quand même. Ouh, cuisine novice, yes.
Si jamais on a la cuisine, je crois, niveau 3 ou quelque chose comme ça. Genre si on force les conserves. Bon, maintenant on a les aliments cuits rapportent 10% de calories en plus. Si on force les conserves, on a... qu'est-ce que je voulais dire? On a... On perd plus les calories. Mais le problème c'est que je crois que si on a un couteau dans l'inventaire, on va automatiquement utiliser... 1h38. Attends, je vois pas du tout. On va automatiquement utiliser... le couteau. Donc ça c'est un problème. Okay. 2h11. Et là, ça va être 2 heures pour faire fondre. Donc on aura encore 2, 4, 6, 8. 8 litres d'eau. Très bien. J'ai pas recyclé ça. Ça m'embête. J'ai pas fait les fourrures en fait. J'ai pas fait les fourrures. Pas tout manger en fait. Je devrais tout simplement manger ce que j'ai besoin en fait. Genre pour passer la nuit. Pas faire du surplus. Le tableau dans 46 minutes, il reste une heure, c'est très bien. Par contre, je vais juste sortir. Ça c'est lapin cru. Ça c'est lapin cru. Je vois strictement rien non plus. On va pas rester très longtemps éveillé de toute façon. Donc, les pots, je vais juste les déposer là. Comme ça, le sécheront direct. Ça, on va le... On va prendre ça là, on va l'allumer. Sinon, je vois rien. Et on va dormir. Bouillie dans 40 minutes. Nickel. Ça va être la fin de notre épisode, je pense. Épisode un peu court en ce moment, c'est vrai, mais et en fait il tombe bien, on fait assez pour justifier un épisode, je pense, entre 45 minutes et 1 heure à chaque fois. Donc je pense que ça va. En fait je suis satisfait de mes épisodes, ils sont vraiment... on fait du tout, ça marche très bien. On va boire. On a encore beaucoup de calories en fait en conneries, mais... genre bonbons, tout ça, céréales et tout machin. Mais le problème, c'est que ça va se détériorer avec le temps. Donc ça, faut faire attention à ça. Okay. Mais bon, on a 2000 calories. C'est même un peu trop, là, par contre. Okay. À la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. On continuera la prochaine fois. On ira vers l'église derrière l'orgue. Il faut absolument regarder ce qui se passe là-bas. Et après, on essaiera d'aller vers le haut de Milton. Parce qu'il y a encore des grottes et des choses à chercher. Donc ouais, Milton est très grand, c'est un peu difficile de se déplacer au début parce que ben, on n'a pas beaucoup de matériel ou de bons vêtements, mais il y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses, donc ça devrait bien se passer. À la prochaine, ciao ciao.